Carl Gustav Jung disait « Tout ce que nous voyons chez les autres n'est que le reflet de nous-mêmes. » Dans les profondeurs de notre être, il y a ces parties de nous que nous ne voulons pas voir. Enfouies dans nos entrailles, à l'abri des regards, à l'abri de nous-mêmes. On porte alors notre plus beau costume, celui de victime. Ce personnage qui nous colle tant à la peau. Nous blâmons les autres pour leur comportement, leurs mots, leurs actes, leur manque d'amour, leur manque d'attention, en dévalorisant leur espace intérieur. Les schémas se répètent, les relations défilent, les mêmes expériences à chaque fois. Pourquoi ne suis-je pas acceptée et respectée? Pourquoi suis-je rejetée? Pourquoi est-il si égoïste? Ces questions tournent en boucle, les plaies se réouvrent, les émotions s'accumulent, et les blessures non guéries refont surface. Nous essayons d'analyser le comportement de l'autre en oubliant complètement de nous observer nous. Et si l'autre n'était que mon reflet, mon révélateur? Et si l'autre n'était que le chemin qui me permet de me rencontrer, de m'accepter et de m'aimer. Alors c'est vrai que les relations, c'est un des sujets les plus fréquents que je rencontre, que ce soit dans les accompagnements, que ce soit à travers les programmes, que ce soit les questions que je reçois aussi sur les réseaux sociaux. Et donc c'est vraiment souvent une des causes d'un mal-être évidemment, de nœuds, de blocages qu'on peut avoir aussi. Il y a beaucoup de peur aussi. Beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes de communication au niveau de la communication aussi. Et c'est vrai que très souvent, en fait, les personnes ont tendance à, à se focaliser pas mal sur les actes de l'autre, sur ses comportements, sur les mots aussi qu'il va nous partager, sans vraiment aller observer finalement soi-même en fait dans cette situation. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi? Et c'est vrai que très souvent aussi, on va donner beaucoup beaucoup de pouvoir à l'autre, donc on est complètement déconnecté finalement de soi, de ses ressentis. Au sein des relations, il y a beaucoup aussi, beaucoup de jugements. C'est vrai qu'on est souvent en train de juger l'autre, de blâmer l'autre, et donc ça va être super intéressant ici qu'on puisse voir ensemble tout ce qu'on peut amener, tout ce qu'on peut aller explorer aussi, et qu'est-ce que l'autre aussi finalement vient me montrer peut-être, vient m'apporter, comment je peux faire en sorte que la relation puisse vraiment être quelque chose de plus constructif, de plus positif, parce qu'on est souvent vraiment en train
de remettre la faute sur l'autre, alors que ça va être très intéressant de voir que l'autre a quelque chose en fait finalement à nous apporter et qu'il peut même être finalement notre miroir et j'aime encore mieux dire même notre révélateur. Alors c'est vraiment une question que je me suis posée en profondeur, j'ai vraiment été faire des recherches approfondies, moi-même je l'ai expérimenté, j'ai observé ça aussi à travers ben voilà, toutes les personnes que j'ai la chance d'accompagner. Et c'est vrai que cet effet miroir, alors moi je préfère vraiment utiliser le mot révélateur. Alors évidemment on connaît plus ce terme miroir, donc j'utilise ici plus fréquemment aussi, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, on retrouve chez l'autre des parts de nous-mêmes qu'on ne veut pas voir. Donc, plein de parts, nos zones d'ombre finalement aussi, ou des choses qu'on ne veut pas s'avouer, ou tout ce qu'on, toutes ces choses en fait, toutes ces critères que l'on a en nous, mais qu'on va venir voiler, qu'on va venir finalement, qu'on n'arrive pas à voir aussi, tous ces conditionnements, ces croyances. Et donc, on vient en fait enfuir beaucoup, beaucoup de choses dans nos profondeurs. Et c'est intéressant de voir, mais tiens, l'autre en fait, il vient simplement mettre en lumière ces parts-là de nous que nous, on n'arrive pas, enfin qu'on n'a pas spécialement envie de voir. Et donc c'est intéressant de se dire, mais tiens, quand il y a un critère, un aspect chez quelqu'un qui me plaît, ça veut dire que finalement, ben, ce critère-là, ben, je l'ai en moi et ça me plaît aussi. Voilà, c'est une partie de moi, une facette de moi qui est souvent une facette plutôt de lumière que je vais apprécier. Et puis, il y a ces facettes un petit peu plus dark, on va dire, tout ce qui nous déplaît voilà, chez l'autre. Et je vais donner des exemples évidemment très concrets par la suite. Mais vraiment de voir, mais tiens, ça me plaît vraiment pas en fait chez l'autre. Et là, ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir, ben tiens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'autre m'énerve-t-il autant? Parce que vraiment, parfois, c'est ça, c'est « Oh mon Dieu, ce comportement m'agace tellement en fait chez l'autre. » Et donc, je vais évidemment développer tout ça par la suite. Et donc, par exemple, typiquement, quelqu'un qui… alors, j'ai un exemple très concret d'une personne que j'accompagne qui me dit… voilà, il y a un homme qui est en train de lui parler, etc. Ils échangent, etc. Et il est très anxieux, en fait. Il a besoin de tout le temps avoir des nouvelles. Il lui envoie plein de messages. Il est un petit peu même envahissant. Et ça l'agace, Et puis, on a été mettre en lumière et voir, mais tiens, pourquoi est-ce que ça vient t'agacer, en fait, ce comportement-là? Et puis, en fait, quand on a été reconnaître ça, elle s'est dit, bah, en fait, c'est parce que moi-même, je fais ça d'habitude avec les autres relations, dans les autres relations que j'ai eues. Moi, j'étais très anxieuse, j'avais tendance vraiment à avoir besoin d'envoyer tout le temps des messages, d'être toujours sur le dos du mec, etc. Et là, finalement, il est en train de m'arriver l'inverse. Et donc, c'est vachement intéressant d'aller voir ça aussi. Et finalement, c'est de vraiment venir se poser cette question, de se dire, mais tiens, quelle partie de moi je ne veux pas voir? Donc, quand il y a vraiment cet effet miroir avec l'autre, c'est qu'est-ce que finalement, moi, je n'ose pas aller voir en moi? Et donc, c'est vrai qu'on ne voit pas facilement toutes ces parties-là de nous parce que voilà, c'est un peu mis dans l'inconscient. Notre ego, évidemment, lui, son objectif, c'est de nous maintenir en survie. Donc, voilà, dès qu'il y a du danger, dès qu'il y a du stress ou dès que ça nous ramène aussi à des schémas qu'on a vécu dans notre enfance ou autre, eh bien, il y a une espèce de système de protection où on va être voilé, on ne va pas voir tout ça. Et donc, finalement, la relation, les relations vont être le plus magnifique des révélateurs. Et c'est vraiment à travers la relation, en fait, la relation va nous aider finalement, va venir mettre en valeur tout ça, toutes ces zones un peu cachées, toutes ces faces cachées de nous. Et c'est pour ça que j'aime bien l'appeler vraiment le révélateur. Alors, comment ça fonctionne? C'est vrai qu'il y a plusieurs, enfin, il y a deux types de miroirs, si on peut dire ça. Il y a le miroir direct, donc c'est-à-dire que la personne vient me montrer, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui est égoïste. Oh mon Dieu, je supporte pas ton aspect, voilà, l'aspect chez toi, ta facette égoïste, je ne la supporte pas. Et c'est intéressant d'aller voir, tiens, en moi, qu'est-ce qui se passe? Finalement, le miroir direct, ça veut dire que ben, moi aussi, finalement, je pense très fort à moi. Il y a cette facette égoïste en moi qui est là. Mais peut-être que je ne suis pas pleinement honnête avec moi-même et que je n'ose pas aller la voir. Et donc, je vais dire à tout le monde que je suis généreux. J'ai cette image-là de moi, cette facette-là qui est bien présente. Et donc,
Ça, c'est la face directe. Donc, l'autre me renvoie en fait la même chose, une part de moi qui est là, qui existe. Et puis, il y a le miroir inversé. Et là, c'est vraiment intéressant aussi, parce que souvent, on parle beaucoup du miroir direct, mais on oublie de parler du miroir inversé. Et donc là, ça va être super intéressant de voir que l'autre peut me renvoyer, peut venir m'apprendre. Et là, c'est magnifique parce que je vois cette facette égoïste chez l'autre et ça me rend dingue. Enfin, moi, je sais qu'avant, j'avais ça aussi. Et je disais, mais mon Dieu, tellement égoïste cette personne. Et en fait, ça venait renvoyer chez moi mon incapacité justement à être égoïste, mon incapacité à prendre soin de moi, mon incapacité à vraiment aller écouter quels sont mes besoins, quels sont mes ressentis. Parce que j'étais tout le temps à faire pour les autres, à aller vers l'extérieur, etc., à être focus sur l'extérieur et jamais je venais prendre le temps de voir, ben tiens, moi finalement de quoi ai-je besoin. Donc c'est ça qui va être super intéressant aussi de voir, ben tiens, qu'est-ce que l'autre vient soit me montrer la même facette, soit il vient m'apprendre que ben, je prends peut-être pas assez soin de moi en fait. Donc c'est vraiment vraiment très intéressant. Après, évidemment, je vous partage tout ça. On n'est pas dans l'objectif de suranalyser le moindre fait et geste des autres sur nous-mêmes. Mais ça peut être vraiment intéressant de voir, tiens, s'il y a des schémas qui se répètent, s'il y a des choses qui reviennent, de voir, ben, tiens, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière, qu'est-ce que ça vient révéler finalement chez moi. Et puis, la relation finalement vient aussi mettre en lumière des émotions qui sont enfouies. On est fort, hein, et finalement, nous sommes des êtres émotionnels, hein, vous savez, je répète très souvent ça aussi. Et donc, c'est intéressant d'aller voir quelles sont les émotions finalement que je n'ai peut-être pas libérées et que l'autre va me permettre finalement de libérer, quelles sont les blessures non guéries. Donc l'autre, souvent, il va venir finalement appuyer, par exemple, sur la blessure d'abandon. Eh bien, voilà, c'est vraiment, il vient me montrer que la blessure d'abandon n'est toujours pas guérie et que donc là, ça va être intéressant de venir faire ce travail de guérison profonde et de vraiment, là, pas guérir l'adulte que je suis aujourd'hui, mais d'aller guérir l'enfant finalement qui a vécu tous ces schémas, tous ces traumatismes et autres. Et donc, encore une fois, c'est l'autre vient vraiment mettre ça en lumière. C'est vraiment ça, en fait, je trouve, en fait, finalement, pour moi, la relation est la plus magnifique des thérapies parce qu'elle permet vraiment de venir se découvrir, s'accepter et se connaître à travers l'autre. Et donc là, les petits conseils que je peux vous donner, c'est vraiment de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de s'observer, en fait, de vraiment venir se reconnecter à soi, en fait, d'arrêter de blâmer les autres, en fait, d'arrêter de venir dévaloriser vraiment l'espace intérieur de l'autre, mais de venir vraiment valoriser son propre espace intérieur, de venir voir, mais tiens, qu'est-ce qui se passe vraiment en moi. Et ça demande pour ça aussi d'être hyper honnête, d'être vraiment honnête avec soi et se dire, ben oui, tiens, là, je l'avoue. Là, j'avoue que moi, j'ai une exigence, par exemple, très forte envers les autres parce que je sais que j'ai cette exigence qui est très présente envers moi-même. Et donc, voilà, c'est vraiment d'aller dans son honnêteté, d'aller vraiment mettre en lumière finalement ces zones d'ombre. Donc ça demande d'être honnête, ça demande aussi de sortir un petit peu de l'ego, hein, d'accord, et de juste venir dans ses profondeurs aussi. Et n'hésitez pas à mettre de l'humour, voilà, utiliser l'humour. Voilà, on n'est pas là pour se prendre au sérieux, pour être anxieux aussi des relations et autres, de vraiment prendre ça avec du recul et de dire waouh, qu'est-ce que l'autre finalement il a à venir me montrer en fait. Et une autre clé, c'est aussi d'être dans la gratitude, de vraiment venir remercier l'autre, d'utiliser même cette phrase finalement, de dire « merci de m'avoir montré ce que je n'arrivais pas à voir par moi-même ». Et quand on est là-dedans, on revient finalement encore une fois dans ces énergies d'amour, on n'est plus dans les énergies finalement de peur, à être tellement en train de se défendre qu'on est en train de blâmer l'autre, en train de remettre la faute sur l'autre, mais on revient dans ces énergies finalement d'accueil et ces énergies d'amour et de dire ben, merci finalement de m'avoir montré tout ça. Et donc typiquement, encore un petit exemple que je voulais vous donner, c'est par exemple quelqu'un me parle mal, au lieu de dire mon Dieu mais quel con celui-là, t'as vu comment il me parle, etc. Tiens, pourquoi est-ce qu'il me parle mal comme ça? Peut-être que moi, soit je parle mal aussi aux autres, donc là on est dans le miroir direct, ou alors peut-être que finalement, est-ce que moi je me parle bien à moi-même? Est-ce que moi, j'ai des mots doux, bienveillants, honnêtes avec moi-même? Et donc, vous voyez, donc c'est là aussi où ça va être super intéressant de venir vraiment observer ça. Et puis, typiquement, ben voilà, cet effet miroir, cet effet révélateur aussi. L'autre, à travers l'autre, j'apprends à venir me connaître. J'apprends à m'accepter. Et c'est vraiment ça, en fait, à m'aimer aussi, à me prendre tel que je suis, avec l'autre et à travers l'autre.
Alors évidemment, ça va pas. Il n'est pas question d'accepter les comportements de tout le monde et se dire voilà, on s'en fout, tout le monde fait ce qu'il veut, etc. C'est sûr que il faut se respecter soi-même aussi. L'autre, c'est important que l'autre puisse nous respecter aussi. Mais je pense que c'est intéressant de poser un autre regard et de vraiment prendre de la hauteur et de se dire ben tiens. Là, en effet, cette personne est dans un manque de respect, où il se passe quelque chose, etc. Elle me blesse, enfin, ça me blesse la situation. Et en même temps, je prends ce recul et je vais voir vraiment, mais tiens, qu'est-ce qui se passe derrière, en fait. Et donc, je vous invite vraiment, en fait, à être beaucoup moins dans le jugement. Après, on est des êtres humains, d'accord ? On juge. On n'est pas là pour être des petits bouddhas, des maîtres zen qui ne jugeons jamais, d'accord ? On a le droit de juger, c'est OK. Après, c'est est-ce que j'entretiens, je nourris ça ? Ou est-ce que je me dis, OK, j'arrête de juger sans cesse l'autre et en fait je prends cette énergie-là, j'arrête de gaspiller toute cette énergie-là en la déversant finalement chez l'autre et vraiment de venir reprendre cette énergie pour pouvoir la remettre à l'intérieur de soi, pour pouvoir venir grandir, pour pouvoir venir guérir aussi. Et là, ça change tout en fait. On est dans une toute autre énergie, on est à nouveau dans cette énergie d'amour où, comme je vous disais tout à l'heure, je viens finalement valoriser mon espace intérieur. En arrêtant d'aller dévaloriser absolument l'espace de l'autre et d'aller vraiment le démonter. Mais encore une fois, donc du coup, je reviens dans ma propre prise de responsabilité. Je reviens dans mon pouvoir, je reprends ma place, je reprends ma responsabilité et j'arrête finalement d'être dans ce rôle de victime où c'est la faute de tout le temps des autres, c'est la faute de la vie, c'est la faute de l'extérieur. Et donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment important d'assimiler ça et vous allez voir, ça va tout changer vraiment au sein de vos relations. Et puis, ça permet vraiment, pour moi, en fait, finalement, le petit mot de la fin, si j'ai envie de dire, c'est vraiment d'aller changer sa relation, la relation de moi à moi, pour changer, pour pouvoir avoir un impact sur la relation avec l'autre, en fait. Et ça, c'est la plus belle des choses que vous puissiez faire. Et d'ailleurs, avec Dylan de Cheny, on a créé il y a quelques mois un programme qui est juste magnifique, qui s'appelle Mes relations en équilibre. N'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment transformer vos relations, que ce soit les relations familiales, amicales, sociales, amoureuses, professionnelles aussi, on vous donne vraiment toutes les clés, des outils, des clés, mais qui changent tout en fait. Vraiment pour créer des relations beaucoup plus harmonieuses, en passant évidemment en priorité par la relation de soi à soi.
Voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à répandre le message autour de vous en la partageant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, on se dit à très très vite. Prenez soin de vous et osez rayonner. Je vous embrasse.